Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé hier matin que l'Alliance traité Atlantique Nord a déployé 700 soldats dans le Kosovo pour faire face à la violence. Leader du plus gros groupe mercenaire russe, Yevgeny Prigozhin, fait qu'on ait écrit la justice russe pour demander enquêter sur gros officiel dans le système de défense russe qui a commis crimes avant et pendant la campagne militaire de la Russie en Ukraine. Échec Corée du Nord dans le premier lancement satellite espion après une fusée spatiale à tomber dans la main, d'après Média l'État, KCNA, qui précisait tout, fusée Cholima 1 est supposée à le mettre en orbite, premier satellite spatial Corée du Nord, pour suivre l'activité militaire les États-Unis. Et puis en Haïti, juge Walter Wieser-Voltaire, auditionné jeudi, ancien ministre travaux publics, transport, communication, ingénieur José Isnader, dans le cadre de l'assassinat président Jovenel Moïse.